Vous voyez, je vous avais dit, ça se mérite une voiture de course. Ce ronronnement si caractéristique des Porsche fascine tout autant les fans de la marque. Moi, je suis passionné de cette 904 là précisément, 904 GTS de 1964, châssis 063. C'est ma voiture de mes rêves, elle a une histoire incroyable, elle est totalement d'origine depuis sa sortie d'usine, alors c'est la voiture qui me fait rêver. Chez les Porsche, tout est passionnant. Ce sont de très belles voitures, des voitures qui ont gagné beaucoup de compétitions sur des circuits, sur route, de partout. Ces voitures ont marqué le sport automobile et particulièrement les 24 heures du Mans. Elles restent des légendes immortalisées par des stars du grand écran. Porsche et les 24 heures du Mans, c'est très lié. Porsche a utilisé les 24 heures du Mans pour sa communication. Donc là, on a toutes les générations de voitures de course qui ont fait les 24 heures du Mans, du Spyder 550 qui a été immortalisé par James Dean, jusqu'à la GT1 qui est la dernière voiture qui a gagné les 24 heures du Mans dans les années 2000 et que le musée du Mans nous a prêté. Tout aussi emblématique, l'anniversaire des Hispano Suiza. C'est une voiture qui est très importante dans la lignée des voitures Hispano puisque le premier client a été le roi d'Espagne. Le club de la marque fête cette année les 50 ans de cette voiture mythique que l'on touche comme un objet d'art. C'est une marque qui a créé que des voitures très précieuses. Précieuses, sportives, de grande qualité, de véritables routières et surtout très prestigieuses. Vous voyez là, il y a un gros bicycle qui vous prend au tout. Pour collectionner des voitures anciennes, chez tous ces passionnés, le virus est transmis dès l'enfance, de père en fils.